votre émission Le mariage de l'année. Nous sommes heureux de savoir que vous appréciez et que vous nous suivez de partout. Et pour aujourd'hui, nous allons à la découverte du couple Saint-Poré, Monsieur et Madame Joël et Hilary. Quand on parle de Saint-Poré, pour ceux qui le savent, ça signifie tout simplement porc-épine. Et malgré ses épines, Hilary n'a pas hésité d'unir sa vie pour toujours à Joël. Let's go! C'est sur les bancs du savoir que naissent les flammes de l'amour entre Hilary et Joël. Après quelques temps de cheminement et voyant que Hilary est la femme de sa vie, Joël décida de faire la présentation de famille qui est le premier pas vers la formation du couple. La famille Nana ne trouva aucun défaut à Joël et l'autorisa à poursuivre sa démarche. Le village de Hilary se situe à peine 20 km de la ville de Ouagadougou. Borgo n'est plus aujourd'hui un village, mais les anciens qui y résident perpétuent toujours les traditions de la famille Nana. Aujourd'hui, c'est le jour du Poupoussoum et l'ambiance est au rendez-vous. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette cérémonie traditionnelle qu'on appelle le Poupoussoum. Voilà, en abrégé qu'on appelle ça PPS. Et c'est un événement qu'on fait ici au Burkina, qu'on peut traduire comme un mariage traditionnel. Voilà, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que mes oncles ont déjà tout dit. Voilà, ils ont détaillé en quelque sorte ce que les propriétaires terriens nous ont demandé ici, voilà, à savoir ce qu'on doit amener pour la dot, les objets, ou que ce soit en nature, que ce soit en numéraire, ce qu'on nous a demandé. Je pense que par la grâce de Dieu, on a déjà tout réuni. Mes attentes aujourd'hui, c'est repartir bien évidemment avec ma femme. Ça, c'est l'attente majeure, hein, on peut le dire ainsi. Et aussi, la deuxième attente, c'est que vraiment la cérémonie se passe bien. Un bélier, un coq, de la cola, du tabac et une somme en espèces sont entre autres demandés à cette fée. Quand tout est prêt, la cérémonie peut commencer. Dans une ambiance conviviale, tous les rituels sont effectués. Et
place maintenant au repas. Toutes les familles environnantes au village ont apporté un plat pour marquer le jour. Le mariage traditionnel de Joël et de Hilary est maintenant acté. Bon, je retiens que concernant les choses coutumières, vraiment, il y avait un peu de. Je ne sais pas comment dire ça. Puisqu'on m'avait interdit de manger. Ça, déjà, ça prouve que. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a ce côté-là que je n'étais même pas au courant dans mon propre village. Et c'est ça surtout que je retiens. Le côté où je ne pouvais pas manger. Quand il y a des hauts, des bas, je ne dois pas penser immédiatement à la séparation parce que les liens du mariage sont sacrés et sont forts et on doit vraiment les respecter et on doit vraiment communiquer, se pardonner, tout et tout, afin que le couple avance. Je veux un mariage grandiose, j'attends vraiment un mariage grandiose. Je veux que tout se passe bien concernant la restauration, ma robe. Je veux être vraiment la plus belle ce jour et c'est mon souhait. Après les fiançailles, tous les regards se tournent vers le grand jour. Entre préparatifs, stress, excitation, famille, futurs mariés et amis sont en alerte. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de Joël et de votre relation? Ok. Bon. Pour un début, je peux dire qu'on s'est connus à l'université. Au début, en tout cas, il ne me plaisait pas. Hein. Non, pas du tout. Il ne me disait rien du tout. C'est ce que tu as dit ici. C'est ce que je veux dire ici. Maintenant, c'était lors d'un événement là-bas à l'école. Et maintenant, je l'ai croisé au niveau du balcon. Maintenant, j'ai demandé à un étudiant que je connaissais très bien. Et je lui ai demandé à savoir qui est ce jeune homme. Il m'a dit qu'il fait FC comme nous. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit le FC comme nous. Attends, tu as dit qu'il te plaît pas. Au début, il te plaisait pas. Non, au début, il me plaisait pas. Mais tu vas savoir quoi? Bon, je sais pas, ça m'intrigue juste comme ça seulement, juste le savoir. Ok, continuons. Maintenant, quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il fait FC. Et moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, il ne peut pas faire FC. Il dit, je suis sûre qu'il fait communication. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Il dit, ok, donc c'est cela. Tu peux l'appeler, on va le demander ensemble. Il est venu, on l'a demandé. Il a dit qu'il fait FC. J'ai dit, FC. Et moi, je n'étais pas au courant que ben, c'est comme ça. Je lui ai dit, ok. Et après, maintenant, un temps, je l'ai vu dans le couloir. On s'est salué juste comme ça seulement. Il y avait toujours rien entre nous. Et il y a eu un événement qu'on a effectué à Bangalore. On est allé là-bas. Quand on est allé là-bas maintenant, tout a commencé là-bas. Il m'a demandé mon numéro. Il m'a demandé mon numéro, je lui ai remis. Bon, quand il m'a remis, bon, en fait, j'étais bizarre. Tantôt je veux, tantôt je veux pas. Je savais même pas ce que je voulais en fait. Donc après ça maintenant, quand il a pris mon numéro, on s'est écrit. Quand on s'est écrit maintenant, en temps, je me suis dit,
Est-ce que moi, j'ai écrit un gros cas là? Il n'a pas parti là. Je ne veux même plus écrire. Une fois, il est passé dans notre salle pour nous parler des trucs de bureau qu'ils organisaient. Et j'ai dit, tiens. Voilà le type là qui est là encore. J'ai dit, cette fois-ci, je ne vais pas le laisser m'échapper. Ah, mais à cause de quoi? Pourquoi cette fois-ci, c'était différent? Bon, je ne sais pas. C'est toujours comme ça, quoi. Je ne sais pas. Et après, maintenant, quand il a pris... Bon. Quand j'ai remarqué cela, après, je lui ai fait signe. Quand je lui ai fait signe, maintenant, on s'est écrit une fois, deux fois, trois fois. Et c'est parti. Jusqu'aujourd'hui. Et ça se passe très très bien au point où vous vouliez maintenant concrétiser la chose à vous. Oui. Et ça fait exactement combien de temps? À peu près 4 à 5 ans. 4 à 5 ans que vous fréquentez. Oui. Et qu'est-ce qui le rend différent des autres? Parce que tu as un très beau sourire. Donc c'est sûr que tu as dû charmer beaucoup d'autres hommes. Mais pourquoi c'est lui que tu as choisi? Bon, sa personnalité. Il y a quelqu'un de. Il est très rigolo. Souvent, il est très... S'il le veut bien, il est très rigolo. Et je l'aime beaucoup. Ça. Oh. Oh, ça devait sortir. Alors, tu dis que c'est quelqu'un de très, très attentionné. Mm-hmm. Quelle est la chose la plus touchante qu'il a eu à faire pour toi? Ok. Lors de mon anniversaire passé, j'étais même pas au courant qu'il préparait quelque chose. Hein. J'étais là. Le 4 janvier, j'ai dit, aïe, on est là, personne ne pense en moi, il n'y a rien du tout. Jusqu'à 20h, j'étais là toute sale, je ne me suis même pas lavé, tellement j'étais fâchée. J'ai dit, mais ah, ça va, elle vient m'asseoir, ça m'a fait attendre. Avec la paix du cœur. Tout à coup. Et la foi. Je l'avais venu avec un gros gâteau comme ça, et qui dessus, joyeux anniversaire, mon amour, avec un gros cadeau. Oh. Et avec ses parents. Ils ont chanté pour moi, oui, vraiment j'étais contente. Ouais, ça t'a beaucoup touchée. Oui. Et c'est la chose la plus touchante. Ouais. Ah, on sait que Joël est donc très attentionné. Mm-hmm. Tiens, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Ne bouge pas. D'accord. Tada! Wow. Attention. Alors. Wow. C'est ça. Tiens ça. Ça, je vais rajouter. Tiens ça. Je sais que tu adores ça. Tes filles adorent ça. Et puis, ça. Je vais t'aider pour que tu puisses toujours le mot. On va les donner ça. Une fois. Nous, si on veut, on va entendre. Dans la nuit étoilée, j'écoute battre mon cœur. Le fait de te rencontrer fait de moi l'homme le plus béni au monde. Désormais, je n'ai qu'un seul souhait, une seule joie. M'abandonner à jamais au bonheur de vivre avec toi. Je t'aime, ma mère. Oh. Je ne connais pas en tout cas. Oh, tu es trop contente. Si. Ça se sent que tu es touchée. C'est vraiment quelqu'un de très attentionné. Et quand il nous a remis ça, mm-hmm. il nous a dit, mm-hmm. dites-lui mm-hmm. que je l'aime et qu'elle est tout pour moi. Wow. Je l'aime aussi. Alors, mm-hmm. on va continuer. Mm-hmm. Parce que j'aimerais savoir, j'ai entendu dire que la foi est quelque chose d'important mm-hmm. de Joël et toi. C'est ça. Et on voulait comprendre quelle place exactement cette fois la occupe dans votre relation. Ok, dans notre relation, la foi occupe dans la place. Hein. La première place, c'est la première place. Parce que nous basons toujours sur le verset que nous avons décidé de faire. Et vraiment, toute chose que nous voulons faire, quel conseil vous pouvez donner à d'autres? Je peux dire de s'attacher vraiment d'abord à Dieu. Toute chose, c'est de s'attacher d'abord à Dieu.
Et avec la grâce de Dieu, tout se fera par la suite. Même l'amour, tout. Certes, il y aura des hauts et des bas. Mais avec la grâce de Dieu, tout se passera bien. Wow. Et une dernière question. Vu que la place occupe une place importante dans nos vies et que la Bible est un matériel essentiel et important pour vous, pour, on va dire, l'harmonie dans votre vie, à quel sens tu peux identifier Joël? Quel sens? Saint de la Bible. Ou à quel homme, quelle personnalité dans la Bible? Personnalité dans la Bible. Bon, je ne dirais pas personnalité dans la Bible, mais je dirais à l'image de Christ. Nous vivons à l'image de Christ. Et j'aimerais qu'il essaie de parfaire et faire les choses à l'image de Christ. Voilà. Et toi? C'est pareil. Donc vous devez marcher à l'image de Christ. C'est trop beau. L'amour, c'est beau. Bon. Tu as reçu tout ça? Tu es contente? Oui. C'était bien. Tu as ri? Tu es contente? Tu vas manger le chocolat, laisser tout le monde. C'est ça, oui. Tu vas danser pour moi. Tu choisis, soit tu danses, soit tu chantes. Tu vas chanter ou danser pour Joël? Chanter ou danser? Je vais réfléchir. Chanter ou danser? Chanter ou danser? Ou les deux? Ou les deux? Si je suis trop contente, je te dis de dire ça. Je veux un seul. Je préfère un. Bon, je vais chanter. Ok. Je sais même plus. Tu vas chanter? Même si tu peux créer ta chanson. Ok. Moi, je vais taper, je fais les ok, de créer. Ok. Joël, tu es mon chéri. Joël. L'amour, c'est quelque chose. Non, Joël, c'est ton chéri. Joël, c'est ton quoi encore? Mon amour, Joël. Tu es mon bébé, Joël, je t'aime à la folie. Bravo. Non, ça ne dépasse pas ça. Ça ne dépasse pas ça. Joël, qu'est-ce que tu promets à Joël? On y va. Hey. On y va. La lune. Hey. Le soleil. On y va. C'est bon. Ok, tu m'as eu. Après avoir chanté comme ça pour Joël, Joël, tu es mon amour, je vais t'offrir la lune, tout ça. Je vais te permettre de regarder la caméra et dire, lui là, il a fait son mot, très inspiré. Si. Et toi, juste parle avec le cœur et tu veux quelque chose. Mon bébé, mon amour, c'est quand je dis que je suis contente de devenir capable. Je suis contente à la fin et j'aimerais passer mon instant de jour avec toi. Prendre une grande fin avec toi. Je t'aime beaucoup. L'amour. Tiens. Alors, là maintenant, je vais t'offrir autre chose. Encore terminé. Parce que je veux que tu sois belle, que tu sois très longue. Je veux que tu sois en forme. Donc là, il y a le petit déjeuner de mon partenaire. On va te donner ça. Tu manges, tu te fais belle, tu souris et tu profites de ta journée. Allez. Tu te débarrasses. Ça. De la part de Petit Paris. Okay. Tu bois avec notre partenaire Babali. Et tu manges. Ok, merci beaucoup. Tu me laisses rire. Même pas le problème. Tu peux me compter sur moi. Alors, je te laisse avec tes nombreux cadeaux. D'accord. Et on se dit à très, très bientôt. Passe une excellente journée. Merci. Et le même ménage. Vraiment, merci. Bonjour, Joël. Bonjour, monsieur Joël. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Je comprends. Bienvenue. Donc, tu es en forme? En pleine forme. En pleine forme. Tu vois, entre mes mains, j'ai un cadeau. La personne qui m'a dit de te remettre ça, je t'aime beaucoup. Et cette personne m'a dit, Yann, je veux que tu lui remettes ça en main propre, parce qu'il est tout pour moi. Wow. Et je pense que tu sais de qui il s'agit.
Bien évidemment. Il arrive de remettre ça. Ouais. Donc, avant de prendre et commencer à déguster tout ce qui se trouve dans ce panier, tu vas d'abord mettre ça de côté. Et puis tu vas esquisser au moins quelques pas de danse. Je dis à Hilary que tu es contente. Tu es content plutôt. Tu as aimé son cadeau, son geste, c'est touchant. Et surtout que c'est l'un des plus beaux jours de votre vie aujourd'hui. Je ne suis pas moi danseur. C'est pas grave, on se met debout sur moi. Comme ça sent, à gauche. À gauche. Envie à droite. Envie à haut. En haut. On tire. Okay. Non, c'est bon, tire sur la caméra, Ok. Alors Joël, parle-moi un peu de ta relation avec Hilary. Disons, c'est une longue histoire. Une longue histoire. C'est en quelle année vous avez commencé? On s'est connus en 2017. Précisément vers mi-novembre. Mi-novembre. Oui, 2017. Vu qu'on faisait la même université, Nous, comme on était assez fougueux, on était dans les bureaux de filière. Ok. Et donc, vous savez comment ça se passe? Oui. Dans les aiguilles, on passait dans les classes pour faire notre promotion également. Mm-hmm. Et c'est là. Non, c'est même pas en classe qu'on s'est vu. On s'est vu au balcon. Au balcon. Oui. Et c'est elle-même qui m'avait appelé. J'étais avec un de mes homos, Wally Joël. Oui. Et elle était avec lui et elle m'a appelé. Tu la connaissais? Je la connaissais pas. Ok. Donc, elle m'a appelé. J'ai dit, bon, j'étais un peu intrigué. Je suis venu. Elle m'a demandé si je fais la communication. Mm-hmm. J'ai dit, non, je fais la finance-comptabilité. Elle dit, non, moi, je fais la communication. J'ai dit, bon, avec cette insistance-là. Mm-hmm. Non, c'est pas grave. C'est sûrement les protocoles qui sont en appelés parce que c'est le jour J. Donc... Excusez-moi, je suis non, t'inquiète, je comprends. Je disais que, bon, j'étais assez intrigué. Et là, elle a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et là, comme elle avait commencé à parler, bon, j'ai eu un peu quand même une certaine impression. Et puis, j'ai demandé à mon homonyme, j'ai dit, mais c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Elle m'a dit, bon, c'est une fille de première année. J'ai dit, bon, tu peux... Là, tu es dans quelle année? J'étais en deuxième année. Deuxième année, ok. Mais qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux d'elle? Je dirais son sourire. Son sourire. Oui. Parce qu'elle a une manière de sourire qui me plaît énormément. Et ça m'a tellement flashé que... J'ai demandé à mon homonyme, j'ai dit, mais tu peux me brancher avec elle? Mm-hmm. Et lui, il m'a dit que non, lui-même, il est sur le dossier. Et comme lui, il était le président de filière, j'ai dit, non, mais mon ami, toi, tu es président de filière, tu peux en avoir plusieurs. Mm-hmm. Il me dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Et là, le lendemain, je pense que c'est 3 jours plus tard, mm-hmm. on avait une rencontre mm-hmm. Dans un espace public de la place. Oui. Et on s'est vus là-bas. Ok. Et quand on s'est vu, bon, là, j'ai profité de l'occasion, j'ai pris son contact. Son contact. Et là, je pensais que le tour était joué, alors que les filles, elles ne sont pas faciles. Et je l'ai contacté, on commençait à échanger, mais il était tellement froid avec moi que j'ai dit, bon, dans celle-là, je vais laisser tomber. J'ai fait presque 2 semaines sans lui. Okay. Et un jour, en pleine période de campagne, oui. J'aime ma bière. Donc le jour-là, je me suis mis sur mon 31. Et on est passé dans leur classe. Mm-hmm. Et comme j'étais le secrétaire général, c'est moi qui parlais. Tcha. Et quand j'ai parlé, elle était tellement ébahie qu'elle m'a écrit du coup. Et quand elle a commencé à m'écrire, bon, on a échangé mm-hmm. le fil en aiguille. Nous voilà aujourd'hui. Mais je ne la connais pas personnellement, mm-hmm. mais le geste qu'elle vient de faire me montre que c'est une personne qui est attentionnée. Je veux savoir, depuis que vous êtes ensemble, quelle est la chose la plus touchante qu'elle ait faite pour toi? Parmi les choses les plus touchantes qu'elle m'a fait, parce qu'elle m'a fait énormément. Non, ça c'est sûr. Énormément. Ça c'est sûr. Énormément. Je cherche. Hein, oui. Je cherche parce que elle m'a tellement... c'était un de mes anniversaires. Mm-hmm. J'avais oublié même tellement j'étais busy, j'étais dans le travail, que j'ai oublié même mon anniversaire. Ton anniversaire. Et là, elle m'a envoyé un message. Mm-hmm. C'était à 00h00, j'étais à Bamako, le jour-là. Et j'étais un peu triste en fait. Mm-hmm. J'étais un peu triste. Et elle m'a envoyé un message. Sache que je t'aime. Et c'est tombé pique à un moment où j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin d'attention. Et parmi les gestes d'attention qu'elle m'a fait, je pense que c'est
le geste qui m'a le plus touché. Qui t'a le plus marqué, le touché. Un petit mot, mais qui est très important. Qui est tombé à pic, en fait. Oui. Voilà. Maintenant, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois ou comment tu te vois avec ta femme? Dans 10 ans, j'ai avec beaucoup d'enfants. Avec beaucoup d'enfants, moi, combien 10, 11. Non, non. En 10 ans, 10 ans, non, 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 je ne veux pas les, la fatiguer. Les étalons, ils ont besoin d'une équipe de football. Non, 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 non. C'est bon. Peut-être que. En tout cas, je me vois loin avec elle. Très bien. Oui. Peut-être même dans les projets d'avenir, parce qu'on est tellement collés, on est tellement intimes que. On souhaite vraiment entreprendre ensemble. Okay. Voilà. Je pense qu'on va faire comme vous. Je vous vois souvent sur les réseaux sociaux où vous vous êtes. Il y a tellement d'alchimie avec votre épouse. Je pense qu'on va vous prendre un exemple. Merci. Maintenant, avant de terminer, tu vas juste regarder cette caméra. Et tu vois, tu as une future femme qui est très attentionnée, qui a un très beau sourire d'après ce que tu as dit. Et apparemment, elle a toujours été là pour toi. Yes. Maintenant, tu vas regarder la caméra et tu vas chanter une chanson d'amour. Ok, bon. Une chanson d'amour. La chanson que je vais chanter, oui. J'ai pas une belle voix. Hein. C'est pas grave. J'aime bien les gens. Mais elle aime ta voix, c'est le plus important. Tous les autres, là, c'est pas, ils sont pas importants. C'est la chanson que j'aime chanter quand elle est fâchée. Ok. Voilà. Donc. C'est une surprise. Hein. Ok. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle m'a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Wow. Elle a les yeux revolvers. Exactement. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci. Je ne saurais partir sans pourtant te donner un petit déjeuner parce qu'il faut que tu puisses prendre des forces. Wow. Parce que cette journée s'annonce très longue. Très très longue. Et comme le protocole fait qu'appeler, appeler, appeler, ça va bien être chaud. Oui, c'est un avantage. Ils en font tout le matin comme je ça. Dis. Donc. Le petit déjeuner, c'est pour que tu puisses prendre des forces, comme je disais, et que tu sois totalement fort. Et ce que je vais te dire par rapport à cette journée, c'est que c'est ton jour. Donc, on met de côté tous les autres problèmes, toutes les autres difficultés, et on se concentre et on profite au grand max. Parce qu'on se marie qu'une seule fois, comme j'aime dire. Et c'est très important. Donc, toute l'équipe, te remets ce petit déjeuner. Merci. Mais il faut manger, hein, parce qu'en général, quand on est trop stressé, on n'arrive pas à manger. Mais je t'en prie, tu dois manger. Non, mais ça vient du restaurant Petit Paris. Oui. À cause de ça, je pense que je vais bien me régaler. Je vous remercie énormément. Oui. Merci pour le geste. Oui. Donc, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Original Messi Sao. Je meurs aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, je veux que tu retiennes bien ceci. Si je meurs aujourd'hui, je veux que tu comprennes bien ceci. Je suis celle qui voulait te donner toute sa vie. Je suis celui qui voulait t'aimer pour la vie. Si je meurs aujourd'hui. De l'hôtel de ville sera témoin dans quelques heures des échanges d'anneaux de notre couple du jour. Mais avant, recevons nos élus du jour. Laisse-moi vieillir à tes côtés. Laisse-moi vivre le paradis. J'ai bien choisi de t'officialiser. Oh, j'ai bien choisi de t'aimer pour la vie. Laïla, laïla, laisse-moi vieillir à tes côtés, bébé. Oh, yo, laisse-moi vivre le paradis. La vie, kana wakanto. La
magando Enu mile de ko Ila ila Laisse-moi vieillir à tes côtés Laisse-moi vivre le paradis Ila ila J'ai bien choisi de t'officialiser Oh, j'ai choisi de t'aimer pour la vie Ila 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 Laisse-moi vieillir à tes côtés Oh yo, on va vivre le paradis. La vie qu'on a wakando. Sempore Joël. Présent. Consentez-vous à prendre mademoiselle Nana Ray Hilary Ragilwende Linsa, ici présente pour épouse. Oui, je le veux. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Nana Joël Kiti. Bon, est-ce qu'elle dit Nana, c'est un problème là, ça va s'unir aujourd'hui. Consentez-vous à prendre pour époux M. Sempore Joël ici présent. Oui, je le veux. Donc, au nom de la loi, je déclare M. Sempore Joël et mademoiselle Nana. Mademoiselle Nana Hilary Ragilwende Linse et mariée par le lien du mariage. Je n'ai pas le même bisou. Un bisou empreint d'amour. Que c'est beau l'amour. Le témoin de l'époux, on vous présente quelque chose. Ok. À toute l'assistance. Avant de lancer les dans le bas de notre lignage. Félicitations. Vous pouvez voir. Collez les mains. Collez les mains. Voilà. Laissez-les. Deux âmes unies devant les hommes qui le seront tout à l'heure devant Dieu. Si vous avez aimé ce mariage, vous pouvez donner la chance au couple d'être sacré mariage de l'année. Et pour pouvoir voter, c'est très simple. Il suffira de suivre les instructions au bas de votre écran. Capté dans les eaux profondes de Orodara, Babali est une eau minérale pure, agréable, légère et digeste. Babali, c'est une eau minérale naturelle puisée sur un site bien protégé sous le contrôle du Laboratoire National de Santé Publique. Babali est en sachet et en bouteille sous plusieurs volumes, disponible partout au Burkina Faso. Désormais, retrouvez les bonbonnes Babali Prestige et Babali Famille. Babali, mon choix pour ma soif et ma santé. Yeah.
Présent. Voulez-vous prendre la sœur Nana Hilary, celle dont vous tenez présentement la même voix que la vôtre, pour votre épouse légitime, et promettez-vous solennellement avec l'aide de Dieu d'être elle un vrai et dévoué mari, que vous l'aimerez comme Christ a aimé l'Église et l'honorerez, la chérirez, la protégerez et prendrez soin d'elle pour le reste de votre vie et que vous lui serez fidèle jusqu'à ce que la mort se sépare. Oui, par la grâce de Dieu. Selon la parole de Dieu, nous sommes dans tous les premiers. Vous l'avez là-bas en signe extérieur. Vous allez le faire cela, vous allez le penser à vos parents, à la cérémonie et à toute l'assemblée. Et vous allez porter le sénateur. Le sénateur, la secrétaire du Sénat, le Sénat. Mais ça, c'est le même qui sont derrière moi, sous la chaise. Clôturer les célébrations administratives du jour. Monsieur et Madame Saint-Poré, félicitations! La salle des fêtes de Ouaga 2000 est le lieu choisi par nos tourtereaux pour la réception de leur mariage. <t'->
là. Mon bébé, c'est pour toi. Mon corps que tu vois là. Mon bébé, c'est pour toi. Kana, t'inquiète, mon doudou, faut pas te fatiguer. Kana, t'inquiète, mon doudou, faut pas te déranger. Ranam siye, ranam zoumé, non bo obanye. Convives et parents ont le regard tourné vers l'entrée où dans quelques minutes nos stars du jour feront leur entrée. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as planifié pour eux, 2023, 2024, 2025, que Seigneur, tu commences à l'accomplir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, Père, que tout ce qui, Seigneur, est sous la terre, qui les appartient, est dans le ciel, qui appartient à tes enfants, qui reçoit cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, roi de gloire, qu'au moment où je suis en train d'élever la voix vers toi, et que quelque chose manifeste dans leur vie et dans leur couple au nom de Jésus. Attention.
avec l'accord du protocole, je pense que nous allons passer à la coupure du gâteau. Doucement, devant les amis. Ça va, ça. Doucement, devant les colères. Oui, avec un sourire, bien sûr. Avec un sourire, bien sûr. Toujours. Mais il fallait aller doucement encore. Mais il fallait aussi applaudir pour les mariés, mesdames et messieurs. Oui, monsieur le protocole, vous les permettez d'aller? Allez-y, oui. Oui, bien sûr, nous allons recevoir les cadeaux. Les cadeaux que vous avez envoyés sous l'ordre du protocole. Oui, les dames. Non, mais c'est pas. Non, c'est bon, descends. Le moins important. Monsieur Sempora a donné à Mazé, bien sûr, à Madame Sempora, bien sûr. Mais ça se passe devant les caméramans. Ça se passe aussi devant les amis invités. Est-ce que vous pouvez les prendre cette partie-là? Allez-y, doucement. Monsieur Sempora, ça se passe. Doucement. Encore. Et ça s'applaudit. Accompagnez-les par vos applaudissements. Oui, Monsieur Sempora, n'hésitez surtout pas. Le moment est aussi important. Oui, oui. Après toutes ces émotions, l'heure est venue pour Hilary de rejoindre son foyer où un Joël impatient l'attend. Que Dieu vous bénisse. Et pas au final, que Dieu vous bénisse. Les Sempora étaient à l'honneur aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris quelque chose à travers leur couple. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour de nouveaux épisodes du mariage de l'année. Prenez soin de vous.